Hey hey hey, coucou mes petits culs, bienvenue pour ce nouvel épisode du Lord and Lady Challenge. Je suis en train de me dire que les étoiles derrière là, elles sont trop mignonnes, ça scintille et tout, c'est absolument choupiné. Et oui, bien sûr, nous sommes encore en hiver, je fais encore un plan sur la maison des épisodes, mais c'est comme ça. Est-ce que vous foutez vous? Vous pouvez bouffer à 3h du matin tranquille. Kill tran, wesh. Wesh, wesh, quoi. Alors, nous avons bien sûr maman Adélie et celle-ci, c'est Colombe. Voilà, et eh ben écoute, Colombe, qu'est-ce que tu vas faire? Regarde les étoiles. Ah oui, non, je suis. Oh là là, ça y est, je commence déjà à confondre. On est mal barré. Tu vas la complémenter, illuminer sa journée, puisqu'il faut qu'elle ait les bonnes manières pour cette génération. Donc, on en profite à la moindre occasion, quoi. Petite chose également, j'en profite. La maison, encore du changement. Comme vous pouvez le voir, il y a un petit auvent qui s'est ajouté ici. Et surtout, ben, tout l'étage au-dessus et en dessous ont été ajoutés d'un carreau. Donc cette chambre-là, je l'avais déjà fait décaler. Ben, ça a augmenté encore d'un carreau. Et ici aussi, tout a augmenté d'un carreau. Donc on est sur une maison de plus en plus spacieuse. Et c'est pas plus mal parce que ben, il commence à être pas mal non plus là-dedans. Et dans les chambres. Il y a quelques cheminées qui sont aussi apparues. Voilà. Il y a des petits changements. Il y a la chambre des filles, tout ça. Un chevalet en plus. Tout ça, tout ça. Oh, petit réveil en fanfare. Oh non. Bon, toi, tu vas mettre ça dans le panier à linge. Toi. Encore ce foutu. Et j'en ai marre. Hein. Vous savez que j'en ai marre de ce truc. Vas-y, il est 6h du matin. Il est parti, là. Moi, je le vois plus, hein, cocotte. Non, il est plus là. Oh là là, non, 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 tu vas réveiller personne, Isobel. Va te cacher sous les couvertures. Et casse pas les pieds à tes sœurs, ni à tes parents, ni à personne d'autre. On est samedi 7h30 du matin. Ce qui est bien, c'est que demain. Bah en fait, aujourd'hui, c'est le dernier jour d'hiver. Donc ça veut dire qu'on va pouvoir dire au revoir à toute la neige. Et retourner avec notre petite plantation, nos petites plantes. Ça va, l'hiver s'est bien déroulé quand même. Je pensais qu'on aurait plus galéré. Au contraire, on a un peu prospéré. Là, on a eu pas mal de thunasses. Oh, finaise, elle m'a cassé. Ce sera pour toi, Gaspard. Et bah, voilà, on s'est bien agrandi et tout, enrichi. Là, il nous reste 3 000. Sachant que demain, bah oui, on est dimanche et qu'on vendra nos productions. Donc, ça va être sympathique. Ça va, Colombe? Il est presque 11h et tu continues de dormir. Eh, tu vas me lever. Enfin, tu vas me lever. Tu vas te lever. Va te divertir un petit peu, je sais pas quoi. Ah bah oui, jouer au fer à cheval. Bah oui. Bah oui, mais quelle bonne idée. Ah bah oui. Et elle fait un bonhomme de neige. Une grande gamine encore, hein, son âge blanche. Ah. Bonjour madame. Bah oui, mais vous pouvez jouer, hein. C'était joli. Pour une fois, quelqu'un joue bien du violon. Mais Adélie! Mais excuse-toi, mais c'est pas possible. À peine elle dit bonjour poliment, juste après elle insulte les gens. Et elle est pas normale cette fille. Oh merde, la madame est devenue vieille. Mais arrête! Mais elle agresse sa gamine après. Oh non, Isobel! Non, Isobel! Non, Isobel! Ça suffit de faire tes conneries. Bon, elle peut pas relever la poubelle là. Qui c'est qui peut? Viens ramasser la poubelle toi et tu feras quelque chose de bien. Qu'est-ce qu'elle fait? Oui, bah oui, mais tu vas pas faire grand-chose, cocotte. Hein. Oh! Vous savez quoi? J'avais même oublié l'existence d'Althea. Elle est tellement discrète que j'ai pas capté. Et du coup, bah sa sœur lui fait sa petite toilette. C'est qui ça? C'est Blanche? Ouais. Mais c'est mignon, c'est adorable. Et c'est bientôt l'anniversaire d'Adélie. Ne vous inquiétez pas, elle va juste devenir adulte. Et oui, il était temps quand même. Bah après, elle a eu quelques grossesses qui ont fait que... Hein. Pendant que papa Gaspard continue à peindre un petit peu. Quoi? C'est un chef-d'œuvre, le clown triste, là? 1377! L'argent! OMG! Oh, oui, alors là, oui. Non, mais... oui, d'accord. Mais ça va être bien, ça, pour demain. T'es dans ton mood, là? Non, pas une 100. Mais Shirley, fais pas une 100, évidemment. Une petite, ça, 5. Sinon, on pourra pas la revendre. Ah oui, t'es étonnée, hein, 1377, hein. Allez, on est reparti. Oh, Isobel. Oh, Isobel. Oh, Isobel, tu vas t'en prendre une sacrée pelle. Dans la tronche, tu vas voir ta tronche. Voilà. Tu nettoies maintenant. Saleté, Ivro.
C'est une flouze. Encore une fois. Et il aime bien les clowns. Hein. Il les réussit, celui-là. Et voilà. Où sommes-nous? Dans une maison qui ressemble fortement à la nôtre, mais qui ne l'est pas. Nous sommes à Newcrest, chez Eulalie. Voilà, je voulais qu'on se balade un petit peu dans les mondes pour aller voir les sœurs. Qu'est-ce qui se passe? Il y en a, ils font des sales têtes, là. Nana, ça va pas du tout. Et rencontrer évidemment les cousins-cousines, comme cette petite jeune femme, Louise, qui est donc la fille, du moins un des enfants, de Eulalie et Julian. Au moins, ils sont blondes. Hein. Ils ont moins galéré que nous pour avoir des blonds. Oh mon dieu! C'est Julian! Oh, qu'il est tout vieux! Oh, c'est choquant. Du coup, on retrouve. La maison que l'on avait au début de cette génération. Ah, bah voilà, il y a du monde à l'étage. C'est les trois enfants? Oh, c'est super. C'est vrai que ça fait beaucoup de monde dans cette chambre, mais... la maison est vide, hein, ça c'est sûr. Hein. C'était les débuts. Comme quoi, notre maison à nous, elle a bien évolué déjà. Et on est bien pourvu, quoi. On a de la thunasse. On a eu de la thunasse pour pouvoir... à faire donner des lits à nos enfants, ce qui est pas le cas chez Eulalie. J'avais pas vu la magnifique boîte aux lettres. Eh bien, lévitation dans l'entrée, c'est top. Du coup, ici, nous avons la fille aînée, hein, qui ressemble quand même au niveau du visage, enfin le nez, tout ça, c'est du Eulalie tout craché, hein, avec le teint de peau de Eulalie et les cheveux blonds de Julian. Elle est très jolie. La fille numéro 2, Louise. Blonde aussi, hein. Moi je dis ça, je dis rien. Avec les yeux de maman. Et la bouche et le nez de maman aussi. Elle est très mignonne également. Et le petit dernier, Jules. Le seul brun de la famille, hein. Comme quoi, il y a des exceptions. Très mignon également. Bah, j'avoue qu'on est en train de squatter la baraque et tout. Et Julian, il s'est... Julian, il a fait son Gaspard. C'est-à-dire que dépité, il part dormir sur le banc en bois. Je suis d'accord, Isobel, vous êtes fatiguée. On va donc rentrer à la maison. Allez, on est rentré à la maison. Eh bien, oula, oui, d'accord. Bon, il y a des petites choses à faire pour que tout le monde se sente bien. Bon, il y en a qui sont tristes, il y en a qui sont neutres, il y en a qui sont contents. Et je vais m'occuper d'eux. Oh, no, 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 c'est le retour de l'incendie. Mais j'ai mis du... J'ai mis de la pierre pour pas que ça crame. Il est en train de cramer, Ligno! Oh non! Mais tu... Allez dans un... Oui, va dans un endroit sûr. Oh là 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 là. Mais reviens en fait. Éteins. C'est pas très RP. Oh! Ok. Ok. Ah bah c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Merci, merci Colombe. C'est bon, c'est réparé. Ouais, tu vas nettoyer le sol. Oh la vache. Et lui, il a pas bougé d'iota. Ça va? T'es mouru ou quoi, Perceval? Ah non, c'est bon. Bah, il va se coucher. Bon ben, de toute façon, la femme, sa place, on sait très bien qu'elle est dans la cuisine. Hein. La place de la femme, c'est à la cuisine. Bah regardez-moi ça. 2h du matin. Bah oui, ça y est, c'est le printemps. Les plantes sont en train de revenir. Youpi. Et lui, il leur parle déjà. Oh, vous m'avez manqué une petite fleur. Va falloir se méfier encore plus de Godefroy. Oui, c'est le printemps. C'est bientôt l'anniversaire de Perceval. Oula. Et dans 2 jours, du coup, je sais pas si ce sera aujourd'hui ou pour la semaine prochaine. Suspense. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'ils ont tous à déjà se lever, là? Ah, Adélie voulait danser. D'accord. Non, c'est bon. On va te... T'as une assiette qui t'attend en bas, bichette. Ne t'énerve pas. Tout va bien se passer. C'est bien, ma belle. Fais-nous des belles peintures avec des pommes, des tomates, des raisins. Enfin, bref. Éclate-toi. Ouh, un joli petit bateau sur l'eau avec le soleil. Magnifique. 170. Bon. Tu me déçois un peu, mais bon. Une œuvre d'art pour Gaspard. En plus, ça rime. 394. Ouais, vas-y, tu les mets dans l'inventaire, mon biquet. Ah, tu as faim. Allez, tu pourras venir manger les macaronis et après tu vas râler toute ta journée parce que c'est trop gras. Oh, Colombe, elle a cassé la baignoire, la vilaine.
Bon, on n'a pas de problème de lessive en ce moment. Mais je pense que tu vas me faire une lessive. Allez, ça fait longtemps. Ça te fera les pieds aussi. C'est bien, Colombe. Tu t'éclates avec ta lessive. C'est un peu chiant, hein. C'est fait exprès. C'est trop mignon. On dirait qu'Adélie est en train de repeindre la maison de son enfance. Mais pas exactement la même, mais... du à peu près. Ah, oh, c'est trop chou. Alors, les grandes sœurs, vous êtes mignonnes avec votre petite sœur. Que beaucoup de monde aime déjà. Alors que vous n'avez même pas vu la tronche d'Altéen, vous êtes déjà en train de dire « Ah, on va voter pour elle !» Mais peut-être qu'elle est très très laide, hein. Et peut-être qu'elle aura des traits horribles. On ne sait pas. Ah ben voilà. Perceval, il s'est dit « Mais oui, mais moi, on m'a oublié. » Non, bah t'inquiète. Là, pour te faire punir, discipliner, on va te punir. Voilà. On va te mettre au coin. C'est vraiment pas bien ce que tu fais. Maintenant aussi que la neige commence à fondre, en tout cas, pas encore maintenant, mais que ce soit le printemps, eh ben, on peut retourner pêcher. Donc, Gaspard, ça fait plaisir. Pêche-nous des trucs cool, hein. Des plantes aussi, ça peut être bien. Ça, on est sur un dimanche vraiment tranquillou, hein. Les enfants sont quand même un peu sages. Voilà, hein. Quand ils font pas de la peinture partout. Et puis voilà, le printemps revient tout doucement. On peint, encore le clown, hein, comme d'habitude. On joue, on s'amuse, on prend le temps de vivre. On se décrasse aussi, pourquoi pas. Et Altéa et Oli, évidemment. Écoutez, on va bientôt, vu que le soleil se couche, je vais attendre que Gaspard rentre à la maison pour pouvoir vendre nos petites prods, etc., etc., pour se re-remplir les poches, les pockets quand même. Ah bah voilà, fallait pas longtemps. Merci Isobelle, c'est génial. Tu vas te faire engueuler par ta mère et tu vas être punie. Voilà, méchante fille. Allez, pendant qu'elle finit, bah elle a déjà fini, super. Nous sommes donc à... Qu'est-ce que tu vas faire, toi, ça va. 8363. Attends, tu vas me la mettre dans ton inventaire. Et on va vendre nos petites productions de la semaine. J'ai eu le temps de faire reproduire des petites grenouilles quand même. Donc, je vais lui faire refaire une autre toile impressionniste à 56 flouzes. Comme ça, c'est fait. Là-dedans, donc, nous avons deux grenouilles. Je les vends. Tout à fait, René. Hop, nous avons aussi des cristaux. Tac, tac. Les poissons, ben on les garde. Tout ça, on les garde. Ça, ben on va les vendre. Et puis, nous avons 17 toiles. J'ai vérifié qu'il n'y en a aucune que je veux garder. Non, ça va. Eh ben écoutez, 17 toiles. Ça fait une vente à 7823. Voilà, pour le côté de Gaspard, évidemment, hein, on va passer maintenant du côté de Adélie. Adélie, elle a aussi des grenouilles à vendre, clac clac. Ça nous fait déjà 250. Et ensuite, nous avons 5 toiles que l'on peut vendre. Donc, je vais sélectionner ça. Nous avons 2 compositions florales également. Et puis, c'est tout. Et c'est pas mal, 961 simflouzes. Ça fait qu'on est monté à 13 097 simflouzes. Et ben, c'est pas mal, ça fait un gain de presque 10 000. Ça nous fait donc un gain net de 9 234 simflouzes. Et la part du Seigneur s'élève à 2 770 simflouzes, ce qui nous fait 10 327 à garder. Et ben, écoutez, on a pas mal de pognon. Et puis en plus, on peut rajouter déjà d'autres toiles. Ça va être sympa. Et puis avec le printemps qui arrive et les plantes, ben... on va être encore plus riche. Isobelle. Tu fais ça sous les yeux de ton père. C'est vraiment pas très intelligent de ta part. Alors les amoureux vont discutailler un petit peu, hein. Bon, malheureusement, vous le savez qu'il n'y aura plus de crac-crac. Mais moi, je veux faire l'amour! Je veux faire l'amour! Mais ils peuvent au moins se faire... quelques petits câlins. Allez. Le monstre pour changer. Viens, cocotte. Tu peux venir là vaporiser. Stop, please, Colombe. La toque de service. Aide tes petits frères et sœurs à être un peu plus zen. Non. Non. Tu viens là, mais sérieux.
fait. Non mais Colombe, ça va, t'es pas obligé de chasser le monstre sous ton propre lit, hein. C'est parce que tes frères et sœurs y croient que tu dois encore y croire à ton âge, hein. Des grands gamins. Bon bah du coup, je suis un peu au regret de vous annoncer que Perceval ne sera pas adolescent aujourd'hui. Mais bel et bien la semaine prochaine. Oh, j'avais pas vu. Oh, des tulipes. Oh là là là. Mais Gaspard, regarde. Super vente 1900. Oh là 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 là. Non, non, on va juste tout récolter, hein. Des roses, des tulipes. Oh là là. Et ça, c'était quoi déjà? Des chrysanthèmes et des mufliers. Oh, c'est beau. C'est le printemps qui renaît. Mais quel pied, quel bonheur. Ah, et les petites factures sont arrivées. 1609 simflouz. Oh ouais, rien que ça. Rien que ça de factures. Bon, bah écoute, Gaspard, tu vas aller les payer rapidement. Comme ça, ce sera fait. Mais de toute façon, je me fais pas de bill parce que... Avec toutes les plantes qu'on aura, ça va être facile. En tout cas, il n'y a pas à dire. Colombe, je la préfère 10 000 fois en ado. Tiens, tiens, Mathilda. Non, t'as pas vu... je t'ai pas vu taper ni rien, je t'ai pas entendu. On va l'inviter à entrer, du coup. Oh, alors il neige un petit peu, mais regardez, le vert réapparaît. Ah, c'est le printemps, la neige s'en va. Oui. Aujourd'hui, un jour férié, je leur ai mis de faire le ménage, alors tout le monde s'y met. Blanche, Colombe, Adélie, bon, Gaspard, lui, il est avec ses plantes. Mais tout le monde travaille plus ou moins, et ça, c'est cool. J'ai acheté un petit nécessaire pour que... Adélie puisse commencer à tricoter. Elle va tricoter des choses, les détricoter et progressivement faire des petites grenouillères pour bébé, pour ses filles. Puisque bien sûr, les filles aînées seront les premières à partir. En tout cas, au moins l'une des deux. Vous pouvez commencer déjà à faire votre choix, mais je crois que pas mal d'entre vous ont déjà commencé. Pour la future génération, déjà. Ouais, ça va beaucoup trop vite, hein. Mais regardez qui vient nous rendre visite. Bah c'est Audrey, la fille de Lali, qui nous fait un petit brin de guitare là, c'était magnifique. Par contre, elle est triste et tout. Je me demande si Julien ne serait pas décédé. Il va falloir que je regarde. Ah bah oui, oh là, perd quelqu'un de proche, décédé dans la famille. Bah il semblerait que le mari de... Ah non, Julien est encore là. C'est... Oh, Lali est devenue vieille. Oh par contre là, c'est le coup dur. C'est une bonne nouvelle, j'ai réussi à remonter... Isobel et sa responsabilité. Punaise, par contre, ils doivent tous aller se laver. Ça m'énerve. Ils sont tous sales, ils doivent tous aller pisser. Ça devient n'importe quoi. Et Adélie est triste, mais je ne sais toujours pas vraiment pourquoi. Je ne vois pas qui est décédé dans la famille, en tout cas proche. Allez, les marmots, votre grande sœur est là. Ah non! Ah non, pas l'ours! Oh non, pas l'ours! Votre grande sœur est là pour mettre du pchit-chit sur le monstre. Comme ça, vous me casserez pas les noix cette nuit. En tout cas, pour la semaine prochaine surtout. Hein. T'as vu, Perceval? Ta grande sœur, elle t'aide. Merveilleux. Les amoureux, là. Regardez comme ils sont mignons. Et ils sont chauds comme la braise. Mais oui, mais bon. Hein, va falloir faire ceinture. Hein. Je suis désolée pour vous. J'ai encore un de ces foutus lapins là qui traînent. Ça m'agace. Ils sont pas censés être là, ces lapins et cette poussière. C'est marrant parce qu'au début que j'ai joué aujourd'hui, il n'y en avait pas et puis ils sont arrivés après quoi. Ouh. Allez, c'est là-dessus que je vais vous quitter pour cet épisode, comme d'habitude. Ouais, bah ça c'est ta sœur. Hein. Donc n'hésitez pas à liker, commenter et partager l'épisode ainsi que ma chaîne pour me soutenir et m'aider à me faire un peu plus connaître. Évidemment, je vous remercie d'être toujours là, jour après jour, semaine après semaine, pour suivre l'aventure du Lord Nedi et les autres qu'il y a sur ma chaîne. Je vous fais de très gros bisous. À très bientôt. Ciao, ciao.